Bonjour à tous, bon petite vidéo à cause de notre épidémie du coronavirus. Donc voilà, pour ne pas perdre le fil, on va continuer un petit peu sur l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. On continue le travail qu'on a déjà fait un petit peu la semaine dernière. Donc au départ, on sera pieds serrés, décontractés, relâchés. Pensez à éteindre les téléphones si vous êtes chez vous, de couper le téléphone pour essayer de s'isoler un maximum, pour ne pas être déconcentré pendant notre petite séance. Des petites séances coupées à cause faute de moyens, en fait, je suis obligé de faire des vidéos de maxi 15 minutes. Donc voilà, plusieurs séquences. On est relâché, on est détendu, décontracté. On inspire, on grandit au-dessus de la tête. On redescend devant le cœur. On baisse les épaules. On étire le cou. Les bras tendus vers l'avant, au-dessus de la tête. Inspire en montant. Expire tout autour. Baisse les épaules. Les mains sur les cuisses. En salutation, on se redresse. On ouvre les pointes de pied, on écarte les talons au départ, on est pieds parallèles, largeur de bassin décontractée, détendue et légèrement fléchie. Déverrouillez un petit peu le bassin. On commence par relâcher les membres supérieurs. On va faire circuler le sang et l'énergie dans les bras, dans les membres supérieurs, détendre le haut du dos, détendre le trapèze. Comme si on s'égouttait les doigts vers le sol, activement. On va être détendu au bout des doigts, des pouces, les poignets, souple au niveau des coudes, souple au niveau des épaules. Le mouvement part du haut du dos. On va placer la pointe de la langue derrière les dents supérieures, collées au palais supérieur, pour fermer notre petite boucle énergétique. On laisse détendre et on va sentir l'énergie, la sensation de picotement, de fourmillement dans les mains, dans les doigts. On laisse détendre, on laisse descendre l'énergie, elle se mobilise. On continue d'être détendu pour les membres supérieurs, on va être souple sur les genoux et les chevilles et rebondir dessus. On relâche et on fait circuler l'énergie et le sang dans les membres inférieurs et dans le bas du dos. Les fesses sont décontractées, la région des lombaires est détendue. On est un peu comme dans un vieux train avec des rails très abîmés, on se laisse secouer sans décoller les talons, sans décoller les pieds. Décrisper les orteils et on va rajouter un petit mouvement circulaire sous les appuis. Décale un petit peu les flexions entre les genoux en gardant les secousses et en gardant les mouvements circulaires. On laisse le bassin partir un petit peu à droite à gauche sans contrôler. Les membres supérieurs suivent le mouvement et restent également détendus. On va chercher à équilibrer nos racines, l'énergie du foie, l'enracinement du printemps. On est détendu au niveau des pieds. On va porter le poids du corps sur l'avant des deux pieds sans décoller les talons. Porter le poids du corps sur les talons sans lever les pointes de pied. On cherche le juste milieu entre les deux. Le poids du corps un peu plus en pression à droite, un peu plus en pression à gauche. On est entre les deux. Poids de corps équilibré au milieu des quatre points cardinaux. Les mains placées face à la terre, souple sur les genoux, relâchez le bassin. On inspire, on grandit. On expire et on va relâcher les mains vers l'extérieur jusqu'à la hauteur des épaules et resserrer les mains vers l'avant.
contact. On stimule l'énergie dans le bout des doigts. La main gauche face au sol, la main droite sur la poitrine à gauche en percussion tout autour. Et on accentue la percussion juste en dessous de la poitrine à la sortie du méridien du foie, le 14 fois. Face au sol, autour de la poitrine du côté droit avec la main gauche. En dessous de la poitrine, la percussion plus forte. Tournez bien autour de la poitrine. Face à la terre. Les paumes de main un petit peu ouvertes, les doigts un peu écartés, le genou un petit peu fléchi, relâché au niveau du bas du dos. Comme si deux ficelles nous tiraient par les coudes, on va monter les bras, hauteur du cœur, pas plus haut, décoller les talons, reposer, contrôler la descente, fléchir les genoux, les mains s'écartent vers l'extérieur. Les paumes de main vers le ciel, on relâche et on ramène vers l'avant, les deux coudes qui nous tirent vers le haut, le contrôle de la descente continue au niveau des genoux, les paumes de main tournées vers le ciel, les mains reviennent face à la terre pour redescendre, vers l'avant en inspirant, expire pour reposer. Continue de descendre, inspire et monte. Expirez. Léger, les ficelles qui nous tirent en montant. Les genoux continuent leur descente. Les paumes de main tournées vers le ciel et mains face à la terre pour expirer. Inspire. Inspire. Une dernière fois devant, inspire. Porter le poids du corps sur le pied gauche, un petit pas en avant vers avec le pied droit. Les bras s'écartent tout autour. On va porter le poids du corps vers l'avant. Les doigts orientés, les mains orientées vers le ciel. En tirant, transférant le poids du corps vers l'arrière. Les mains reviennent en dessous la poitrine, sortie du méridien du foie. Les mains passent vers l'arrière en supination, mains vers le ciel. En étirant le cou, les mains se basculent en avant, main vers le ciel, en rotation d'épaule. On revient vers l'arrière, en expirant, vers l'arrière doucement. On inspire en basculant vers l'avant. On est souple sur le genou devant, mais sans trop l'écraser, sans dépasser le pied. On expire, on relâche, sans creuser les lombaires. Inspire. Sans trop pencher le buste, expire. Inspire. Expire.
dernière fois en inspirant. Et en expirant, on évacue le méridien du foie pour revenir pieds serrés. Le poids du corps à droite et c'est le talon gauche vers l'avant. Le transfert, les paumes de main vers le ciel. En expirant, par en arrière sous la poitrine. Main vers le ciel en arrière. Inspire. Expire. Tire le cou, inspire. Dernière fois en avant, évacue vers l'arrière et on va revenir pieds serrés. On va ouvrir la jambe droite sur le côté droit, la jambe croise avec la main droite devant, la main gauche vers le ciel, on grandit. On inverse uniquement la position des bras. On va étirer le méridien de la vésicule biliaire sur le côté. En ouverture, les bras s'écartent. On revient pieds parallèles, largeur de bassin, main vers le ciel, genou fléchi. Et on relâche vers le bas pour s'enraciner. Le poids du corps sur le pied droit, les mains s'écartent. C'est la main gauche et le pied gauche pour étirer avec le bras droit. La position des jambes reste et c'est l'inversion des jambes, des bras, opposition. Les mains s'écartent, la jambe décroise, main tournée vers le ciel, vers le visage, on enracine. À droite, ouvert, jambe droite, bras droit, tend à gauche. Inverse les bras, tend à droite, écarte les bras, ouvre, enracine, l'ascenseur redescend. Le bras à gauche et la main gauche étire du côté droit. Inversez la position. Expire en étirant. Inspirons, décroise. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On a les mains face au sol, on est